There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Hello, nos amis du Loba! Bienvenue sur le chaîne YouTube, Marc et Daniel. On espère que vous allez bien. On espère que vous portez super, super, super bien. la famille, aujourd'hui, là, c'est une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui, là, on partage un peu nos petites bêtises avec vous. On partage aussi nos expériences avec vous. Dites-nous aussi en commentaire si ça vous concerne, si vous connaissez ce genre de sujet. Alors, avant de commencer, si toi, tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici, on partage que la bonne humeur. Donc, n'hésite pas surtout avant, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas de t'abonner sur la chaîne, de liker la vidéo et de partager au maximum. Alors, on commence, chérie. Voilà. Il s'agit de quoi aujourd'hui? On va jouer un petit jeu. Ouais. Laisse-moi, chérie, je suis prêt. Je suis prêt, tout. Mais bon, lève ta main. Tu promets de dire la vérité. Rien que la vérité. Ça manque seulement la Bible. Voilà, pareil pour moi. Donc, voilà, on va se poser des questions. Un peu osées, en fait. Non, pas un peu, très osées. Voilà. Et si bien il a fait, il va dire qu'il a déjà. Si moi je l'ai fait, je vais dire j'ai déjà. Dans le principe, c'est j'ai jamais. Exactement. Okay. J'ai déjà, je n'ai jamais. Okay. La famille, les questions sont vraiment. Si vous avez déjà eu à faire ça, faites-nous savoir dans les commentaires. Ouais. Parce que je suis sûre que vous avez déjà fait ça. Alors. Voilà, ça va être la première question. Je n'ai jamais répondu au téléphone lorsque je suis aux toilettes. Qui c'était un Android? J'ai déjà. Qui c'était un Android et qui n'a jamais répondu au téléphone? C'était vraiment. C'est même tellement si... Vous êtes tellement écarté de la technologie au point où. Au point de ne pas répondre. Même si je suis au pot, je réponds de. Justement. Donc moi j'ai déjà. Mais ça dépend aussi quand même de quel appel. Tu ne peux pas répondre l'appel d'un client important étant sous le pot. Madame, c'est ah, non, non. Il est appel vidéo, non. Appel simplement. Ouais, par exemple, tu es sur la douche, tu te doucher, ton téléphone sonne, je réponds. C'est un peu comme ça. Voilà. Deuxième question. Ouais. Déjà ou jamais été suspendu de l'école? Jamais. Moi déjà. Ouais. Quand il faisait la troisième, j'ai déjà été suspendu de l'établissement. Raconte-nous. en fait, chez nous, on calculait les heures d'absence. C'était le lycée. On calculait les heures d'absence. Et quand tu atteignais 30 heures d'absence au bout d'une année, on te renvoie de l'établissement. Voilà. Ils savaient qu'il y avait des problèmes informatiques à l'établissement. Et nos noms se retrouvaient parfois sur 3e A1, 3e A2, 3e E1, 3e E2, 3e E3. Donc j'avais mes noms dans les trois salles de classe. Et à chaque fois, peut-être dans le 3e E1, j'étais le 61. J'étais au rang de 61. Comme mon nom commence par T, j'étais au rang de 61. Il y avait aussi un T devant moi qui était le 62. Maintenant, dans l'autre classe, je ne sais pas comment ils faisaient pour inverser ça. J'étais le 60 et l'autre là, le 61. Donc, ils inversaient. Donc, du coup, le gars là manquait tellement les classes et on attribuait mes heures d'absence. Ses heures d'absence chez moi. Moi j'ai toujours été un. On m'a exclu de l'établissement, j'ai donné l'explication fatiguée, j'ai passé toute l'année à courir de Sansora à Sansora. On va régler. Au final, on m'a exclu de l'établissement. Donc, au début d'année, pour la seconde, papa était obligé d'aller encore à l'établissement avec toutes les requêtes qu'on avait faites pour qu'on puisse mettre encore à l'établissement. Donc, c'est un peu ça, j'ai déjà été renvoyé de l'établissement. Et au lycée, on ne blague pas. Au lycée, les heures d'absence comptent beaucoup. Justement, énormément. Voilà.
surtout que les places sont parfois limitées. Mm-hmm. Donc, justement, il fallait qu'on parte avec les requêtes qu'on faisait depuis le premier semestre. Quand on voit qu'il est là, moi j'étais bien à plus de 100 heures d'absence avec le nom du gars là, étant donné que c'était dans d'autres salles de classe, donc c'était un peu ça. Donc tu as déjà fait. Mm-hmm. Et si tous les professeurs faisaient l'appel chaque jour, parce qu'il y a les professeurs qui ne faisaient pas l'appel chaque jour, si tous les professeurs faisaient l'appel chaque jour, je devais avoir même plus de 200 heures d'absence. Ouais, c'est un peu ça. Bon voilà, je n'ai jamais volé dans un magasin. Jamais. Dans un magasin, piquer un petit truc. Non, jamais. 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 C'est vrai que dans un magasin. Non, jamais. Jamais. Dans un magasin, dans une boutique. Oui, dans une boutique. Non. Tu as piqué dans une boutique. Non, boutique. Jamais. Ah ouais. Moi jamais. Voilà. Déjà ou jamais pleurer après une boutique. Déjà, oh. Je vote 8 pères. Déjà. Hey. Déjà. Qui c'était a vraiment déjà eu à aimer quelqu'un et ne pas pleurer. Voilà. Déjà ou jamais piquer la viande dans la mamite. Déjà. Quand maman me mettait souvent la mamite comme ça, là, on était petit, on partait, on regardait. Donc on savait à tout le monde. Il est comme ça, là, elle est par exemple dans la chambre. Et après, même pour faire la mamie, tu ne te donnes même pas comme tu as vu. Pour la petite histoire, on avait une technique, chérie, pour soulever la mamie. Tu prends le couvercle comme ça, pap, tu prends le couvercle directement, pap, ça fait seulement. Après, tu mets le petit maman doigt comme ça. Non, maman était un champion. Non. Maman connaissait déjà à tout. Donc, quand tu prenais, pour la petite histoire, un jour j'ai pris comme ça, à peine prendre comme ça, elle s'est soulevée la tête comme ça. Maman était placée là avec la chicotte, elle faisait seulement comme ça. Et j'ai seulement souri, j'ai remis dans ma main. Jusqu'à là, ça n'a pas empêché comme maman, la bastonnade. Et maintenant, quand tu ouvres comme ça, maman, tu fais le comment ça, ça fait pas que Il y a une technique. Moi, on m'attrape. Tu mets le doigt. Tu mets ton petit doigt là. Donc, à l'espace, au millimètre de la mamie, tu recules ton doigt légèrement, tu déposes. Oh my god. C'est vraiment une technique. C'est... Ouais, déjà. Hey, moi aussi, déjà. La technique de bébé, vous voyez là, vous faites des pattes. On va dans la famille, on va continuer avec la prochaine question. Ouais. N'oubliez pas de liker la vidéo, très important. Likez, mettez les pouces bleus en l'air comme ça. Vos petites folies que vous avez eues. Exactement. On va continuer avec la prochaine question. Ouais. Déjà ou jamais fouiller dans le téléphone de ton ou ta partenaire? Jamais. Moi, jamais. Déjà fouillé quand je vais regarder quelque chose. Ou bien, je manipule le téléphone, mon chéri, il manipule ma part. Mais du fouiller. Non, quand tu fouilles, c'est de manière indiscrète. Si tu fouilles peut-être quelque chose dans mon téléphone et quelque chose qui n'a pas. Que tu n'as pas l'intention du suspect. Oui, c'est que tout le monde a rien fait, mais dit fouiller avec l'intention de vouloir trouver quelque chose. Non. Jamais, j'aime ma vie. Honnêtement, chérie, j'aime ma vie. Donc, j'ai appris d'après l'éducation que les parents nous ont donné à faire confiance. Et j'ai appris à aimer d'abord ma vie, parce que si je trouve quelque chose, c'est moi qui vais changer d'état. Si je trouve peut-être un message indiscret, suspect, c'est moi-même qui vais changer d'état. La personne qui a même envoyé le message serait libre dans son cœur. Quand vous vivez de cette façon, même essayer de soupçonner, je vous conseille pas si vous avez souvent les soupçons. La confiance et puis c'est tout. Ouais, même si votre partenaire est une personne comme ça, c'est le plus important, c'est votre bien-être. C'est ce que vous vivez entre vous et puis reste là. Oui. Et surtout, personnellement, c'est pour votre bien-être mental. Évitez de vous mettre les choses qui vont encore vous compliquer les idées après. Donc, c'est jamais. Même pas l'intention. Déjà ou jamais, humer l'odeur de votre chaussure après une sortie. Tu sors, tu rentres à la maison, tu te rappelles, tu humes d'abord. Déjà! Déjà!
Oui, j'ai déjà fait chaussettes. Ça. Même les chaussettes. Oh. C'est tout que le gars que ça perd. C'est parce que tu humes, c'est sale ou bien non. Tu humes parfois pour regarder si ta chaussure est trop sale. Genre, oui. Ou bien parfois tu sèches au soleil. Oui. Ce n'est pas sec. Oui. Ça contient beaucoup. Justement. Tu humes pour voir, tu humes en touchant s'il y a encore l'eau à l'intérieur pour mieux sécher. Justement. Donc c'est un peu comme ça. Oui, justement. Tout, je pense. Ouais. Déjà. Mm-hmm. Déjà. Déjà. Déjà ou jamais désobéir aux parents par amour. Déjà. Hey. Toujours. Déjà, tu ne sors pas. Tu prends la tenue, tu mets sur toi. Donc, je veux déjà là. Hey, tu prends la tenue, tu mets sur toi. Les coups du samedi, c'était les rancards. Les, parfois, prendre la tenue, mettre sur toi, dire que tu pars à l'école les jours fériés. Alors que tu as déjà la vie sexy ou bien la vie sexy, même dans ta tenue. Oui. déjà. Hey. Moi, ils ont désobéi. Je parle, tu rentres. On a dit, tu t'es où? Tu es allé faire les devoirs. Tu es allé copier les devoirs. Tu es allé apprendre avec les amis. Hey, moi, mon papa avait appelé un ami. Alors que mon papa avait passé la journée à un ami. Moi, j'ai dit que j'ai passé la journée avec l'ami là. Okay. Oh, les plus bons âges. Mes parents ne jouaient pas avec la bastonnade. Exactement. Parfois, il faut ça. Ouais. Mm-hmm. Donc, c'est un peu comme ça. Déjà. Mm-hmm. Déjà ou jamais, pipi dans la pluie. Déjà. Ouais, déjà. Et ça est vieux goût. Quand tu es encore dans les 15 ans, je marchais comme quand il pleuvait. On partait sur la pluie, on disait le cuir, ça bon. Quand on met les conditions, on chantait. Hey, Seigneur, on a fait les trucs à Paris. C'est-à-dire que tu te rends pas compte à quel moment tu pisses, toi. C'est-à-dire que la pluie. C'est un moment qui est vivant, en fait. Et jouer dans la pluie, alors c'est un vieux. C'est un vieux. Mais faites-nous savoir si vous avez eu un peu ça chez vous. Voilà. Déjà. Ou jamais tailler les ongles avec les dents. Déjà. Ici, c'est rien que la vérité. C'est ouais, comme ça. C'est rien que la vérité. Déjà. Déjà que, même jusqu'à présent, parfois, j'arrive à retirer, mais après, je me dis, hey, ne fais pas comme ça, je me gifle mon. Hey, ne fais pas comme ça, donc. Déjà, parfois, même jusqu'à présent, je ne peux plus avec les dents. Oui, parfois. Il y arrive des jours, parfois, je ne peux pas avec les dents. Oui. Donc, c'est. On nous dit à l'hôpital, les doigts c'est rempli de batterie et tout, mais tu ne peux pas t'empêcher parfois, si c'est un reflet qui date de plus longtemps, de toujours un peu. Ouais. Voilà, parlons aussi des ongles de bébé. Par exemple, si vous avez un nouveau-né à la maison et que vous allaitez le bébé, il y a une facilité de tailler les ongles de l'enfant, que de mettre dans la bouche et de tailler. Pour que le lait de l'enfant, vous mettez sur les ongles comme ça, vous allez voir, ça va couper. Ça coupe seul. Le lait de bébé, taille les ongles de bébé. Sérieux. Essayez ça chez vous et venez pointer dans les commentaires, n'est-ce pas? Wow. Ouais. Ici on apprend, ici on découvre. Ah. Ça taille les ongles de bébé quand vous mettez le lait. Moi, je vais mettre le lait de bébé. Dans... Ah oui, je vais mettre le lait de bébé. Tu continues sur les ongles de bébé. Tu continues sur les ongles de bébé. Comme ça, vous allez voir, ça va découper, ça va sortir. Parce que quand vous prenez les dents, vous taillez la côte de tout le focus en doigt. Oui. Ça, c'est pas bien. Voilà. Ah bon? Donc voilà, on continue. Aïe. Ici qui pousse. Non, ok. Donc voilà, la famille va continuer avec la prêche. Prochaine question. Voilà, c'est oula. Et les ongles avec les dents. Déjà ou jamais donné un faux numéro de téléphone. Déjà. Ouais. Parfois tu vas t'envier les salopards. Tu trouves la personne. Donc t'as dans la bite et tu gifles. Quelqu'un veut sa chose, tu dis qu'il est salopard. Ah, okay. Il a dit quelque chose, il dit des mots. T'es sur ma chambre, les gens me disent, les dragons, les Arcelor. Il faut que tu arrêtes pour te quelque part. Tu es obligé de donner un faux numéro comme ça pour te débarrasser. Oui, pour te débarrasser. Oh my God. Mais quand tu donnes le faux numéro, tu marches, tu as peur comme si c'était ta route. Quand tu donnes le faux numéro, tu n'appelles pas Jerry. Bon, quand tu ne brilles pas, moi, seulement. Et que mon téléphone est à la maison. Et que c'est quoi dans ta main, tu veux que l'on laisse. Même parfois avec les anciens amis que vous n'avez pas été en contact, quand tu les vois en route, tu dis hé, hey, Dani, waouh, ça fait longtemps, hein. Oublie ta première enfant, tu es marié, c'est
dit, peut-être ton numéro. Donc, il faut un numéro. Ouais. Pas de contact. Les amis, ouais, d'abord. Les amis, d'abord. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps également. J'évite beaucoup d'amitié. Ça m'arrive tout le temps également. Surtout pour les gens toxiques, pour les gens que je trouve qu'ils ont un caractère qui vont plutôt me tirer en arrière. Je balance. Dans le faux numéro. Parfois, je donne un ancien numéro. Bref, je donne le faux numéro. Je trouve comme ça une de mes camarades, ancienne camarade, m'a contacté sur Facebook. Dani, ne te dis même pas. Tu te rappelles ton ex là, non? Il m'avait demandé ton numéro. Tu prends mon numéro. Elle, en même temps, elle voulait mon numéro pour donner. Elle dit que Seigneur, tu sais que je suis mariée. Justement. Tu sais que j'ai les enfants. Dans un foyer, tu veux mon numéro pour donner à mon ex. Pour qu'il fasse quoi avec? Pour qu'il fasse quoi avec? Pourquoi? Pour son monde, quoi. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Donc, j'ai l'amitié et tout là que tu n'as pas de soucis. Ouais. Donc, d'avoir les amis qui vont te gâter le mariage ou bien gâter le foyer comme ça. C'est pour moi, dans un des. Aujourd'hui, avec la prochaine question. Déjà ou jamais regarder une série entière en journée? Jamais. Pendant une journée. Un jour. Déjà ou jamais regarder une série entière en journée. Donc, genre, tu mets une série, tu t'assois en journée comme ça. Tu regardes la série début jusqu'à la fin. Jamais. Déjà. Ouais, c'est, j'ai fait ça plusieurs fois. Déjà que quand une série me plaît, tu vois. Quand une série me plaît, du moins, c'est pas le passé. Présentement, c'est plus pareil. Bon, pas le passé. On dit pas le passé, donc de ta vie, tu t'en regardes. Oui, j'ai déjà plusieurs. Regarder une série, prendre une série, mettre une série, regarder toute la saison ou bien les deux saisons de ça. Donc, moi, généralement, quand une série me plaît, télécharge toute la saison, même deux ou les trois saisons ou les quatre saisons de ça, je regarde intégralement. Moi, j'ai regardé aussi, il y avait une série qui passait à Novela, c'était Marima. Il a regardé ça, remontrait épisode par épisode. Donc, j'ai regardé la série, le lendemain, à même heure, on mange encore les séries différentes. Mais non, c'est pas dans ce sens. Dans ce sens, c'est. Regarder la série pendant toute une journée, la même série. Ah non, jamais. Moi, jamais. Jamais. Télécharger les 24 heures chrono, regarder toute la série. Oh my god, tu t'es fatigué pas. Mais j'avais un objectif à atteindre, non. Même tu sais que quand je fais quelque chose, je n'aime pas être distrait. J'aime finir avec telle tâche et commencer avec l'autre. Déjà ou jamais rigoler en envoyant quelqu'un se faire mal. Bien sûr. Déjà. La famille déjà. Babena. Déjà rigoler. Quand tu vois quelqu'un tomber, avant de dire. Asia. Tu as l'air rire. Je sais pas. Si ça vous arrive aussi, faites-nous savoir en commentaire. Moi je ris d'abord avant de demander de Asia à la personne. Je ne sais pas. Tu ne comprends pas. Mais c'est drôle, non? Une fois, il glisse avec les deux pieds, vous Même quand moi-même je tombe, je ris. Ouais. Je ris avant de regarder là où je me suis fait mal. Je sais pas. C'est drôle en fait. Donc, tu n'en reviens pas. Tu ris avant de dire maman, comment je tombe quoi? Quand je vois quelqu'un en route de tomber. Je ris pas, genre la personne dans tout le monde savoir que je ris. Donc je ris pour ça, en vous cachant. Après, je dis excusez papa, je passe ma route. Excusez maman, je passe ma route. Mais dès dans mon cœur, j'ai d'abord ri. Moi-même, je tombe, je ris d'abord. Vous ne comprenez pas la famille. Moi, je tombe, je ris d'abord. Et... c'est pour ça la famille. Donc, c'est pas toi qui fais. C'est un réflexe. Bon, mais ça fait que c'est ton, tu vois. C'est... Il peut nous savoir comment
demander si ça vous arrive souvent. Ça vous arrive en fait, genre, de tomber, de voir quelqu'un en train de tomber et de rire. Moi, ça m'arrive bien même. Ouais. Donc, c'est pas que quelqu'un veut tomber, je ris d'abord et puis, avant de dire, est-ce que c'est après? Ouais, c'est comme ça. Donc, la famille. Moi, c'est la fin. Ouais, merci. Merci d'être toujours là pour nous. Merci d'avoir regardé. Dites-nous surtout quel poli vous aimez faire également. Voilà, quel panier, tout ça. Vous avez déjà eu à faire ça. Mm-hmm. Si c'est tout, bonne soirée en commentaire. Voilà. Chérie, est-ce que tu as déjà ou bien tu n'as jamais nettoyé les oreilles comme ça et léché? Déjà? Moi jamais. Quand il nettoie, moi je regarde juste. Surtout quand il est en fait, t'es joué, ça va. Donc, quand on te demande, je vais sans être que rien, mais tu vois, tout nous dit. Spirituellement. La famille, voilà, on espère que vous avez aimé la vidéo. Faites-nous savoir en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. On va revenir avec des tonnes de petites folies. On va partager nos petites expériences avec vous. Surtout que partagez toujours les vôtres avec nous. Ça nous fait toujours plaisir. N'est-ce pas la famille? Donc de là, portez-vous bien. Prenez grand soin de vous. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Voilà, la famille, vous avez été nombreux, chéris, qui se plaignent que quand même une vidéo en ligne, ça ne signale pas. Oui. C'est juste parce que vous n'avez pas activé la cloche de notification. Bon, je ne dirais pas parce qu'ils n'ont pas activé. Parfois, vous n'avez pas activé, mais il arrive parfois YouTube désactive, je ne sais pas ce qui se passe, mais il arrive parfois que vous avez activé, parfois vous êtes même abonné à une chaîne, après vous regardez, vous n'êtes plus abonné. Donc il faut toujours vérifier à chaque fois. Parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires, même en privé, disant ça. Oui. Donc, il faut toujours vérifier. Si vous avez activé la petite cloche de notification, clic, voilà. C'est tout ça. À droite de s'abonner, il faut vérifier. Même si vous avez activé, vérifier encore. Parce que parfois, YouTube. Désactiver même et réactiver. Voilà. Vous pouvez même désactiver et réactiver. Parce que vous êtes nombreux à vous plaindre de ça. Quand même, vous devez un nouveau signal. Dans la famille, il faut réactiver. Il faut bien désactiver et activer encore. Directement, vous désactivez ou vous réactivez encore. Donc voilà. On vous aime très fort. Ouais, on vous adore. Donc, portez-vous bien. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.